Bonsoir. On dit souvent que les femmes changent parfois d'avis, c'est vrai. C'est également vrai pour les hommes. Et ce soir, les changements, les retournements, les changements d'avis seront nombreux. Et c'est probablement la vérité de dire qu'il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Souvent, les choix que la vie nous impose, les choix que nous faisons, nous amènent à faire ce que nous n'avons pas prévu de faire. Les sentiments reprennent parfois les dessus. C'est maintenant l'histoire de Martine. Son histoire, maintenant. Ça va savoir. Martine ! Martine, bonsoir. Martine, vous avez une quarantaine d'années, vous habitez Valenciennes, vous êtes sans profession et si vous êtes ici, c'est parce que votre vie est un petit peu, je n'ose pas dire compliquée, mais disons que vous avez vécu une longue période de votre vie avec un homme et puis vous en êtes un peu lassée, vous avez changé de vie et aujourd'hui vous êtes dans un autre état. Aujourd'hui, vous souhaitez peut-être rechanger à nouveau ? Quelle est votre histoire ? En fait, j'ai vécu 20 ans avec Pierre. Mm-hmm. Pierre est un homme charmant, rassurant, un peu pantouflard. Et il y a 3 ans, j'ai rencontré Stéphane. Mm-hmm. Il avait 26 ans. C'était un... En plus, Stéphane était très fantasque, il faisait le tour du monde. Il... Enfin, j'ai succombé et je l'ai suivi. Mmh. Et c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec Stéphane, mais je réalise aujourd'hui que le seul homme que j'ai jamais aimé, c'est Pierre. C'est Pierre. Un temps avec Pierre, la rencontre avec Stéphane, 3 ans avec Stéphane. Comment se passent ces 3 années avec Stéphane ? Ça devait être On a voyagé, formidable. On est allé à Bora Bora, on a fait les Yucatan, on a le Kenya. On a... C'était un mois par là. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais marre d'être tout le temps dans les valises et que finalement, la vie que j'avais avec Pierre, c'était peut-être ça. Bon. Martine, ce que je voulais. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que tout à coup on se rend compte qu'on s'est trompé, que c'était pas la bonne voie ? Là, vous dites des mots, mais au fond, une femme ressent quoi ? Un vide immense. Le sentiment d'être à côté de l'essentiel, à ressentir au plus profond de soi-même un manque énorme et être poussé à revenir. Quoi. C'était, je suis certaine aujourd'hui que c'est l'homme de ma vie. Et vous ne viviez pas cela avec Pierre, alors pourquoi l'avoir quitté au moment où vous le quittez ? En fait, je crois que, effectivement, on dit souvent c'est les mecs qui ont ça, quoi. Bon, je crois justement que j'ai fait ma crise de la quarantaine, quoi. Et ce gars, il était beau, il était jeune, et voilà. À qui souhaitez-vous ce soir vous confier ? À Pierre, je pense qu'il doit savoir que c'est lui qui est toujours aimé. Vous avez des nouvelles régulièrement de Pierre ? Non, ça non. Fait 3 ans que je suis sans nouvelles. Ouais. Mais Martine, pour vous, nous avons retrouvé Pierre ! Pierre ! Toi ici. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Simon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre, présente pas. Hein. Vous m'avez piégé parce que si j'avais su que c'était Martine, je ne serais pas venu. Ah bon ? Martine vous a laissé un si mauvais souvenir, Pierre ? Oui. Oui. Ouais, ça a été très difficile. Oui. Vous voulez que je vous raconte ? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous raconter. C'est vrai, ça a été mon unique amour. Tu as été mon premier... Je n'ai que du dégoût pour toi. C'est pourquoi ?
parce que tu m'as laissé. Tu m'as laissé, tu es parti pour une espèce de guignol. Cette femme, je lui ai donné la passion. À la passion. Et au moment où j'en avais besoin de toi, tu m'as laissé tomber, j'ai fait une dépression. Oui. Mais ce ne sont pas des choses dont il faut rire. Ne me touche pas, Martine. Ne me touche pas, s'il te plaît. Et je vais t'annoncer autre chose. Je t'ai rayé définitivement de ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai rencontré une personne charmante. Et je crois que tu la connais, Martine, cette Annie. Cette Annie qui m'a redonné la joie de vivre. Parfaitement, Annie, oui. Et je vais t'annoncer encore mieux, la cerise sur le gâteau, tiens. J'ai un enfant avec Annie. Pierre, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal? Mais tu étais en dessous de tout. Beaucoup de mal, tu m'as fait horriblement mal. Je ne sais même pas décrire le mal que tu m'as fait. Je t'ai supplié de rester près de moi. Je me suis mis à genoux quand elle m'a plaqué froidement. Pierre, nous vous avons fait venir à la demande de Martine. Aujourd'hui, elle est venue nous dire « Je regrette. Dites la vérité, Martine. Oui. » Pierre, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que les apparences sont contre moi, mais je crois que tu dois savoir qu'en fait, je n'ai jamais aimé aucun autre homme que toi. T'aurais demandé il y a 3 ans, Martine. Jamais je pourrais aimer quelqu'un d'autre que toi. Tu arrives trop tard. Moi, je ne peux pas oublier. Et puis, il est trop tard, je reconstruis ma vie. Je reconstruis ma vie avec une autre personne. Avec un... Pierre, j'imagine et nous imaginons combien cela a été difficile de se voir supplanté par un autre. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal dans le fait que Martine s'en aille? C'est qu'elle parte avec un plus jeune. On ne peut pas lutter dans ces cas-là? Mais vous savez, Simon, on efface pas 20 ans de sa vie comme on efface ses lettres au Scrabble. Hein, c'est pas possible. Faut pas oublier qu'elle a été mon premier amour. Enfin, j'ai cru que c'était mon premier amour. Ça l'était certainement. Je suis très ému parce que bon. Je repense un peu à ma vie avec tout ce que j'ai connu avant, avec elle, et maintenant... Tu n'arrêtes pas de me décidément, toi, t'es venu dans ma vie rien que pour me faire du mal. Vous voulez dire, Pierre, que... Laisse-moi, Martine. Vous voulez dire, Pierre, que si vous n'aviez pas refait votre vie, ce que vous ne saviez pas, Martine... Si vous n'aviez pas exactement refait votre vie, cela veut dire, Pierre, qu'aujourd'hui, vous auriez peut-être compris ce qu'on était en train de vous dire. Vous auriez compris les regrets, les remords de Martine. J'aurais peut-être reconsidéré la question, mais non, c'est plus possible, Simon. C'est plus possible. Tu dois comprendre. Et qu'est-ce que je fais, Dani, dans tout ça? Et ma petite Géraldine, qu'est-ce que j'en fais? Tu n'as jamais eu le temps, tu n'as jamais eu le temps. Tu savais que c'était mon rêve d'avoir un enfant. Mais non, mais madame ne savait pas. Elle ne savait pas. Tu n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête. Après, pendant 20 ans, tu n'es pas... Tu peux pas savoir le mal que tu me fais, tu me refais encore du mal. Après 3 ans, je pensais que cette cicatrice était guérie, mais non. Je crois que tu dois savoir que je t'aime vraiment. Il est trop tard, Martine. Tu aurais dû me le dire. Pendant 20 ans, j'ai fait tous tes caprices. Je me suis toujours effacé pour toi. C'était ma plus belle preuve d'amour. Et toi, finalement, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Quand je fais le bilan de ma vie, je n'ai que regrets. Annie m'a apporté un certain équilibre. Annie m'a montré qu'elle m'aimait. Annie m'a donné une fille. Et Annie m'aide dans mon boulot. En quelque sorte, Annie est vraiment le quatrième pilier de la maison. Ce que toi, tu n'as jamais fait. C'est vrai, je le dis, je t'ai aimé à la passion, mais c'est fini. Je n'ai plus de sentiments pour toi, Martine. Pierre, lorsque vous avez vu Stéphane, vous l'avez vu? Il est ici. Non, il n'est pas ici. Ça aurait été un beau cadeau que tu me l'amènes. Non. Lorsque vous aviez vu Stéphane, vous avez eu très mal lorsque vous l'avez vu pour la première fois? Et comment que j'ai eu mal? J'aurais bien voulu lui faire mal aussi, Simon. Eh bien, c'est ignoble ce qu'il m'a fait. Ce que je vous propose, Pierre, c'est peut-être pas très joli, mais on a demandé à Annie de venir. Annie!
Annie, bonsoir. Martine, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, elle va te l'annoncer, Annie. Annie, bonsoir, merci bonsoir. De nous rejoindre. Vous connaissez... On était amis. Ouais, oui, vous étiez amis. On se connaissait. Ouais. Enfin, elle a disparu de la circulation. Je voudrais savoir ce qui se passe parce que je suis inquiète, là. Elle a souhaité revenir dans cette circulation, dans cette mouvance, dans ces sens interdits. Je suis un peu perplexe. En fait, tu étais mon amie, ma confidente. Et j'imaginais pas que tu me ferais un truc comme ça. Ça, c'est incroyable. Enfin, écoute... Est-ce que tu te rappelles à quel point tu me conseillais de partir avec Stéphane? C'est toi qui me l'as fait rencontrer. Annie, Annie. Alors là, attends, Annie. Attends, Annie. Attends. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que tu essaies de... C'est incroyable. Mais en fait, on n'avait rien à faire de moi. La seule chose qui t'a intéressée, c'était d'accaparer Pierre. Et tu as profité de donc, mon mal-être attends, du moment. Je suis l'amie c'est qui abominable. Dit, ma chérie, ma petite Martine, il faut que tu quittes Pierre parce que je vais le prendre. Oui, elle me répond et elle s'en va à je ne sais pas où, Varsovie, avec un beau jeune homme. Mais c'est à cause de moi, bien sûr. Non, c'est Annie, pas moi, ça. J'aimerais bien que... Allez, arrête. Ça, Annie, non, tu déconnes. J'aimerais bien que c'est quoi ce micmac? Mais non, quand elle a voulu te quitter, mais enfin, tu as vu comment tu étais. Elle t'a quitté au moment où de l'entreprise, tu travaillais comme un dingue, elle foutait rien. C'est vrai, tu lui as conseillé de me quitter? Non. Conseiller. Tout le monde à l'époque, tous les amis voyaient qu'elle en avait rien à faire. Elle te rendait malheureux. Elle n'avait qu'une envie, c'est de faire le tour du monde et de s'amuser. Donc voilà, je ne lui ai pas conseillé. J'ai peut-être fini par te dire, écoute, si tu en as vraiment ras-le-bol, ben, fais ta vie. Je crois, Pierre, qu'il faut remettre ça dans le contexte de ce qui était votre dépression. Vous nous l'avez vous-même raconté. Je crois qu'il serait pas juste de lui faire aujourd'hui un procès sur ce passé. Enfin... Ce n'est pas notre histoire. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, là, mais c'est vrai, on allait à l'atelier de peinture ensemble, on se connaissait, je connaissais Pierre, bon, il avait beaucoup de boulot, elle ne pensait qu'à s'amuser, soit, moi je m'en fichais, ce n'était pas mon problème. Puis un jour, elle s'en va, Pierre s'écroule, je l'ai aidé, je l'ai aidé aussi dans son entreprise, je téléphonais aux clients, j'ai fait sa comptabilité. D'ailleurs, écoute, si tu as la chance de le voir ici, sur ce plateau, puisque tu as fait tout ce ramdam, de le voir ici aujourd'hui, c'est grâce à moi. Parce que si moi, je ne l'avais pas aidé, soutenu quand toi, tu faisais je ne sais pas quoi, mais peut-être il serait peut-être suicidé. Hein. Mais peut-être que quand j'étais... Si tu m'avais mieux conseillé, si tu m'avais pas présenté Stéphane, peut-être que je serais pas partie. Mais enfin, et qu'il n'aurait pas eu à être mal. Écoute, je pense que tu n'avais pas 17 ans. Hein? On rencontre des gens, Stéphane, lui, moi. Si tu n'avais pas envie de partir avec Stéphane, tu restais avec ton mari. Hein? Moi, j'ai rien à voir avec ça. En plus, moi, je ne suis pas du tout sortie avec Pierre tout de suite. Faut pas croire ça. Je l'ai aidé, ça a pris au moins 6 mois. J'ai appris à le connaître. C'est un type formidable. Non, je crois pas. Je crois que j'étais dans ton chemin. Bon. Mais arrête, dis-moi tant, okay, mais on va pas reconstituer le passé, et puis au fond, dingue, on n'est pas là pour ça. Non. Martine, vous aviez souhaité retrouver votre passé. Votre passé a changé. Pierre vit aujourd'hui avec Annie. Vous avez un enfant. On a un enfant, on a une petite fille. Ouais. Pierre, en conclusion, demain, vous faites quoi? Vous continuez votre vie avec Annie? Bien sûr, Simon. Oui. Bien sûr, c'est fou. La question me semble claire. Annie, vous semblez heureuse, épanouie. Je sais que vous avez un enfant ensemble. J'espère que vous continuerez votre vie. Et vous, Martine, vous essayez de refaire votre vie? Vous pensez que votre vie s'arrête aujourd'hui? Je pense, oui. Que quoi? C'est la vie, ça. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Tu dois continuer ailleurs. T'es parti. Bon, ben, la place a été prise. On est heureux. Je suis désolée. Tu me fais pitié, tiens. Je te jure. Non. Peut-être, Martine, que tout à l'heure, le public vous aidera à retrouver le sourire. Bonjour Jean-Claude de Pérouille. Question à Martine. En fait, elle est revenue maintenant, mais est-ce qu'elle se fait jeter par son jeune? Non. Tu es toujours avec? Non, je suis partie. Tu es partie?
Est-ce que tu as réalisé aux conséquences que ça pouvait donner à Pierre? Je pensais vraiment que on a vécu ensemble une très grande histoire d'amour et que ni le temps ni l'espace ne pouvaient vraiment séparer deux êtres qui s'aimaient comme on s'aimait. Oui, mais en fait, tu l'as quand même largué. Hein. Christine, à Profondeville. Martine, puis-je te demander une question? En tant que femme mature, dans la quarantaine, comment faut-il prendre le fait qu'il te faille autant de temps, 3 ans, c'est très long pour un homme, 3 ans à attendre, et autant de temps de réflexion pour te rendre compte que c'était Pierre qui te manquait? Parce que cette nouvelle vie me grisait, je dois l'avouer. Et que pendant tout un temps, effectivement, je me suis laissée bercer par cette nouvelle vie. Oui, c'est la vie d'une aventurière. Et l'aventurière, elle va d'un à l'autre. Comment pourrait-il maintenant avoir à nouveau confiance? Oui, je sais. Marc de Bruxelles. Pierre, quel effet ça fait de revoir la femme de sa vie après 3 ans d'absence? Est-ce que vous pouvez encore avoir des contacts normaux avec elle? Eh bien non, non, plus du tout. Oui, on peut un peu dire que je suis aussi un peu la femme de ta vie. Quoi qu'il en soit, Pierre, les deux sont certainement les femmes de votre vie. Merci à vous.